Cyprien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà. On va se retrouver pour une vidéo donc un petit peu spéciale. Bah ouais, mais quoi, alors quoi de spécial ta vidéo? Bah, en fait, voilà, je voulais un petit peu vous parler. Vous parler un petit peu de quelque chose d'important. Bah ouais, mais bon, voilà, quand tu me dis que tu fais une vidéo, et c'est quoi le truc important que tu dois nous dire? Donc voilà, alors ça va faire maintenant 2 ans que je suis vraiment sur ma chaîne YouTube. 2 ans que je fais des vidéos, des vlogs, des jeux et tout et tout. Waouh, 2 ans! 2 ans que t'as fait ta chaîne YouTube, et c'était quoi tes passions? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne? Qu'est-ce que t'as fait démarrer en fait là? Donc ce qui m'a fait démarrer, c'est que j'ai lancé ma toute première vidéo donc sur Mario. Alors attendez, je crois que c'était du... Ah non, c'est même pas du Mario. C'était du Mario Kart sur Wii U, si je me rappelle bien. Et je l'avais lancé, j'avais mis, voilà, je vais mettre cette vidéo pour le fun et tout. Et ça a plutôt bien fonctionné, j'ai décidé de continuer en fait. Enfin, c'est venu d'un jeu que j'ai pris en vidéo. Et après, c'est venu tout seul de mettre des vidéos. J'en mettais une par jour, après une par semaine. Après, j'étais plus ou moins actif. À un moment, j'étais pas trop actif. Et là, je reviens un peu plus actif en faisant des vidéos. Des petites mises en scène, etc. Ah ouais, tu fais des mises en scène toi? Waouh, mais t'as grave changé en fait. Donc c'est pas que j'ai grave changé, c'est que au fur et à mesure de mon temps que je suis sur YouTube et tout ce que je fais, en fait ça m'a... j'ai décidé en fait un petit peu d'innover, voilà, d'innover un petit peu dans ma manière de faire des vidéos. De faire des jeux, de faire des vlogs, de faire des mises en scène, de faire tout type de vidéos, voilà, ça m'a donné en fait un peu plus envie de m'ouvrir, et non m'ouvrir le voilà, donc voilà quoi. Ah ouais, je vois que ça t'a fait mûrir en vrai, YouTube. Ça t'a changé, quand tu dis que t'as changé, t'as mal changé, mais ça t'a donné une large d'esprit ouvert, enfin voilà quoi. Enfin, un large d'esprit. Ouais, on va dire ça ainsi, quoi. Ça m'a donné un peu plus envie de faire de nouvelles choses. Ça. Je vois ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Voilà, quoi. Alors, donc, monsieur Cyprien, j'avais un petit peu une question pour toi qui posait. Est-ce que tu penses pouvoir arrêter un jour YouTube de faire des vidéos? Tu penses continuer à aller sur une autre plateforme de stream? Je crois qu'il y a Twitch ou voilà quoi. Donc non, je ne pense pas arrêter. Je pense plutôt continuer, même si je n'avance pas trop, même si j'ai 290 abonnés, c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Au contraire, je vais plutôt continuer, persévérer. Comme quoi, plus on persévère et plus on a de chances d'avoir les choses qu'on veut. Donc c'est en persévérant qu'on a ce qu'on veut dans la vie. C'est à force de travail, on obtient tout ce qu'on veut. Donc, eh bien voilà, moi je te souhaite en tout cas bon courage pour toi. Continue, sois fort et reste fort, mon ami. Accroche-toi à tout ce que tu peux. Et moi je te souhaite bon courage pour ta vie future. Allez, ciao! Donc voilà, alors j'espère en tout cas que vous avez apprécié un petit peu cette mise en scène donc que j'ai essayé de faire un petit peu. Vu qu'il y en a qui me disent oui, mais ta vidéo c'est pas du montage et tout, là je pense que vous allez voir que c'est vraiment du montage, donc voilà. Alors j'ai décidé de faire ces petites mises en scène donc pour vous dire voilà que faut jamais rien arrêter dans la vie, faut toujours continuer, faut toujours s'accrocher à ses espoirs, il faut persévérer, il faut toujours vraiment continuer, donc tu persévères tout le temps, tu continues, tu crois en tes rêves, faut toujours continuer, ne jamais rien lâcher, peu importe ce que les gens te disent, peu importe ce que les gens te font, il faut toujours continuer, tu mérites ce que tu mérites et faut jamais rien lâcher. Que tu aies du soutien ou que tu n'en aies pas, il faut toujours continuer. Voilà, il faut toujours que tu continues et que tu ne t'arrêtes jamais. Voilà, il faut toujours continuer dans la vie. Et tu persévères, et à force de persévérance, tu vas toujours finir par payer. Ton travail va toujours finir par payer. Donc voilà, alors j'espère en tout cas que ce petit court-métrage vous aura plu. Donc si vous en voulez des comme ça, dites-le moi, donnez-moi des idées, je les ferai. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, tu commentes, tu likes, tu partages si c'est pas déjà fait. Tu cliques sur la petite clochette pour être au courant de mes dernières vidéos.
N'hésite pas à t'abonner et tu partages. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Ciao, ciao, tout le monde!